Premier ministre Ariel Henry ou bien Wa Henry Jean Tavlere le la retourner dans pays d'Haïti après voyage li te fin fait dans pays Jamaïque pour ta discuter avec quelques confrères haïtiens et à quelques autorités l'autre pays qui fait partie région Caraïbes. Rencontre ça a tenu des vis pour déterminer un plan pour aider la paix rétablie sous petit bout de terre papa de Saline. À peine premier ministre a te débarqué dans pays a, li te tout adressé avec peuple haïtien pour bay plus détails sur voyage Jamaïque là. Entendez premier ministre Ariel Henry Kabay peuple si au miel pour le faire dormir. Mesdames, messieurs de la presse écrite, parlée et en ligne. Dimanche dernier, accompagné du ministre des Affaires étrangères et deux de mes conseillers, je me suis rendu à Kingston, la Jamaïque, à l'invitation du premier ministre des Bahamas, Philip Davis, président en exercice de la CARICOM, pour engager des consultations avec une cinquantaine de compatriotes d'horizons divers en vue d'élargir le consensus de la recherche d'une solution durable à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Nous avons été accueillis par le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, qui avait visité Haïti récemment, et par le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM, composé des anciens premiers ministres de Sainte-Lucie, Kenny Anthony, des Bahamas, Perry Christie, et de Bruce Golding de la Jamaïque, ainsi que de la secrétaire générale de la CARICOM, Madame Carla Barnett. Je veux ici, au nom du gouvernement haïtien et du peuple haïtien, les remercier tous, ainsi que les pays qui ont apporté leur soutien matériel et logistique à l'organisation de cet événement, pour l'intérêt que l'institution communautaire et les leaders des pays frères de la région portent à la crise haïtienne. Après la réalisation du forum politique organisé les 23 et 24 mai dernier par le Haut Conseil de la Transition, plus d'un se sont interrogés sur l'opportunité de telles consultations à l'extérieur du pays et sur l'utilité d'une telle démarche. Haïti est membre à part entière de la CARICOM. Et quand l'institution communautaire prend une telle initiative, il est normal que le gouvernement haïtien accepte l'invitation. Je suis un homme de dialogue. Et chaque fois que les Haïtiennes et les Haïtiens décident de s'asseoir ensemble pour parler le pays, si j'y suis invité, je répondrai toujours présent. On peut regretter que certains de nos compatriotes qui avaient décliné l'invitation du Haut Conseil de la Jamaïque... aient préféré se rendre à la Jamaïque. Mais pouvoir les rencontrer tous là-bas valait la peine, parce que c'était une occasion de renouer le contact avec eux et d'engager à nouveau, avec eux, un dialogue franc et sincère. Ne serait-ce que pour cela, cette initiative de la CARICOM était une bonne chose. Ces consultations nous ont permis de constater que sur plusieurs sujets d'importance, nos points de convergence sont plus nombreux que nos divergences. Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets, surtout sur les sujets auxquels on pouvait facilement trouver des consensus. Nous t'ai proposé, pour nous toutes, prononcer-nous ensemble premièrement sous affaire insécurité à cap brasser bil pays. Sous nécessité pour yon tête ensemble pour nous faire face à phénomène. Pour nous protéger des forces de sécurité nous yo. Comme ça, nous ka ramener la paix et sécurité dans tout pays. C'est sous obligation pour permettre population recommencer vivre normalement et pour nous ka organiser bon élection que nous développer sécurité. Deuxièmement, nous toutes dit nous sommes démocrates.
nous avons mis nous d'accord pour nous dire une mission principale du gouvernement en transition, c'est créer conditions pour organiser bon genre élection et bailler peuple haïtien occasion pour choisir librement et libre femmes et garçons yo vle mettre dans tête pays dans parlement dans collectivité locale yo tout le monde t'a fait pour d'accord avec ça. Troisièmement, pif pour pas dire presque toute organisation politique et société civile là pensait faut qu'il y ait un passé main qui fait dans la constitution noire. Il pas d'adouer trop facile pour nous prendre engagement. Pardon, excusez-moi. Il pas d'adouer trop difficile pour nous prendre engagement pour nous travailler ensemble sur ça avant d'organiser élection générale. Quatrièmement, gouvernement à toute HCTA rester flexible pour étudier quelques modifications dans la structure gouvernement, dans la structure gouvernance pays, et puis d'accord pour faire changement dans le gouvernement pour qu'il vienne plus inclusif dans l'administration publique, là, dans la diplomatie à la collectivité locale. Esprit d'ouverture, ça, ça doit permettre nous rassembler tout le monde dans un combat pour sauver Haïti. Pour le moment, le dialogue n'a pas encore abouti au résultat souhaité. Mais nous allons continuer, comme nous sommes engagés à le faire. Et nous ferons des consultations autour des personnalités crédibles à proposer par le gouvernement au HCT pour la mise en place du CEP. Les consultations de Kingston constituent une étape dans le dialogue avec l'ensemble de nos compatriotes. Le groupe des éminentes personnes demeure mobilisé sur la question et devrait venir bientôt en Haïti pour rencontrer le HCT et un éventail plus large d'acteurs haïtiens qui n'ont pas pu être à la Jamaïque et continuer de travailler avec tout le monde afin de faciliter le dialogue. Ce dialogue doit se poursuivre et nous allons continuer à parler aux uns et aux autres. Mais nous n'avons pas l'éternité devant nous. Cela fera bientôt 2 ans depuis que cette période intérimaire a commencé. Nous avons cherché sans arrêt à construire des consensus en parlant à tous pour trouver des accords qui nous permettent d'aller de l'avant. La période intérimaire a trop duré. Nous devons mettre en branle le processus électoral, mettre en place un conseil électoral provisoire crédible et mettre le cap sur des élections générales. Bien entendu, la sécurité étant une priorité et une urgence, le gouvernement continue à travailler pour trouver un accompagnement et des moyens pour nos forces de sécurité en vue de créer cet environnement sécuritaire qui permettra aux partis politiques, aux candidats, à faire campagne en toute sérénité. Haïti renaîtra. Je vous remercie. Je vais prendre 2 questions. Oui, il y a ma place de questions. Moi, c'est Samuel Dalman, un Merci, M. Dalman. Premier bail, comme j'ai dit, ça qui est important, c'est que nous parlions. Et dialogue pas toujours abouti du jour au lendemain. Nous pas d'attendre que nous allons à Kingston, Jamaïque, et à l'intérieur de la société haïtienne, nous résoudre tout problème. Yo. Ça nous tout espérer, c'est ça nous fait tout d'ailleurs. Son premier pas nous fait, nous rencontrer des compatriotes. Et avec compatriotes, ça y est, dialogue lenté, cassé depuis un certain temps. Nous prenons engagement pour nous continuer à parler. Et nous prenons engagement pour nous travailler
pour plus vite que la sérénité qui a retourné au niveau du pays et que ensemble nous allons aller vers des élections côté peuple qui a choisi dirigeant. Il y a des divergences, il y a des points que nous pas arrivé à entendre. Mais nous entendons son bagage, c'est que nous continuons à parler. Et c'est là que nous constatons qu'on n'a pas quelques problèmes, on n'a pas quelques crises en dans le pays. Et vrai que toute crise, il y a une série de partis politiques, une série de leaders qui ne sont pas d'accord pour collaborer ensemble avec, qui ne sont pas d'accord pour collaborer avec vous. Est-ce que vous avez une façon pour être capable d'utiliser avec tout le gouvernement pour faire un dialogue et des haïtiens dans 9% du département pays, au marché économique? Parce que aller la Jamaïque, je suis d'accord ensemble avec vous, il y a un peu de gens qui ne sont pas d'esprit aller. Nous dit deux bains. Premier bain nous dit, n'a continué à parler. N'a continué à parler avec Sakte à Jamaïque, quand vous Sakte ici. Et n'a essayé, il a agi au plan le plus possible. Deuxième bain nous dit, hein, même dans la facilitation éminente personnelle, n'a pas continué ici en Haïti, approfondi dialogue. Mes amis, nous, c'est normal que dans la société, il y ait des gens qui divers, qui ont des opinions différentes. Et ça qui est bon, c'est beauté de la démocratie, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous arrivions à solutionner la différence. Nous. Et la différence, nous, grand gens, nous, qu'à solutionner, c'est aller devant le peuple et dire, peuple, choisis qui vous voulez, qui dirige. C'est ça que nous voulons faire et c'est ça que nous avons fait. Dialogue, là, pas camper. Et n'a pas avancé.